C'est officiel, l'Union européenne s'engage à réduire de 40% au moins ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les ministres de l'Environnement ont validé l'objectif et l'ont transmis aux Nations Unies à 9 mois de la conférence de Paris sur le climat. Réaction de la ministre française. Je crois que l'Europe qui prend ses responsabilités, qui est consciente aussi d'avoir été à la source de beaucoup d'émanations de gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle, est consciente aujourd'hui que c'est elle qui a les plus grandes responsabilités à prendre pour entraîner le reste du monde. Les 196 pays qui participeront à la conférence de décembre doivent annoncer leur contribution pour empêcher que le réchauffement climatique ne dépasse les 2 degrés. En fonction des autres propositions, l'Europe pourrait revoir sa copie, explique la ministre allemande. Si d'autres pays viennent avec des plans de réduction plus ambitieux, nous réfléchirons nous aussi à des mesures encore plus ambitieuses, dit-elle. Reste à se mettre d'accord sur la répartition de l'effort entre les 28 pays de l'Union, ce qui ne sera pas une mince affaire. Le PIB par habitant pourrait être un des critères.